Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des paluches et des bouquins. Aujourd'hui, nous recevons Jacques Carbou. Bonjour Jacques, comment allez-vous Bonjour, merci, bien, merci. Alors, nous sommes, euh, enfin, vous êtes plutôt euh, à la librairie des deux cités, donc euh, mmh. qui est euh, la librairie notamment de, de Sylvain Durin, votre éditeur. Et mmh. vous nous venez aujourd'hui pour la critique sociale de Raymond Ruyère, paru aux éditions Le Verbe Haut, mmh. du et euh, avant toute chose, je vais euh, faire quelques petits propos concernant la chaîne et nous allons attaquer notre sujet. Alors, je voulais re remercier euh, infiniment les personnes qui m'aident régulièrement avec euh, les dons Tipeee. Poursuivez, c'est bien de s'investir, à mon avis, pour, pour la chaîne, euh, d'en être aussi l'acteur. Il n'y a pas que les invités et moi-même. Odyssey, poursuivez votre migration car YouTube censure régulièrement. Donc la dernière en date était celle de, de Lucien Cerise, il y en aura certainement d'autres, vu qu'on touche des propos un peu sensibles. Donc poursuivez sur Odyssey, pour le moment c'est assez calme, nous ne sommes pas censurés. Vous êtes à peu près 4400 abonnés dépassés. Il faut poursuivre, parce que si je vous rappelle que sur l'ancienne chaîne YouTube, nous étions à peu près 17 000 abonnés. Donc, on a perdu beaucoup de monde au passage, c'est fort dommage. Telegram, alors Telegram, euh, allez-y euh, sur le Telegram, car je, je reste actif avec des recensions d'ouvrages audio. Euh, avant, je faisais quelques, quelques petits reportages à l'intérieur des manifestations et aussi euh, chez les libraires, notamment ceux spécialisés dans la bibliophilie. Vous donner goût à la lecture. Euh, en ce moment, je suis un peu moins actif car j'ai beaucoup de choses personnelles à, à faire. Euh, et j'ai stoppé l'émission pour demain. C'est pour cette raison. Donc euh, ne m'en voulez pas. On reprendra certainement d'autres formats un peu plus tard. J'ai quelques idées. Euh, Instagram. Alors, Instagram, c'est juste pour poster euh, quelques images d'ouvrages qui sont derrière moi, donc euh, liées à la bibliophilie. C'est simplement. Un un témoignage de ce qu'est le vieux papier, de, de beaux ouvrages pour vous donner l'envie de lire. Donc, Jacques, revenons à nos moutons, si je puis dire. Alors, je voulais préciser que maintenant, le verbe « haut est distribué dans toutes les librairies. Donc, il n'y aura pas forcément l'ouvrage dans, dans votre librairie, il suffit juste de le commander. Donc, vous le trouvez à la librairie des cités, forcément, mais vous pouvez le, le, le trouver n'importe où, hein, en FNAC, Peut-être des citres et j'en passe, des libraires indépendants. Il suffit juste de le commander, vous trouvez. Donc, Jacques Carbou, pour vous présenter, vous avez été l'élève de Raymond Ruyère, dont on va oui. parler dans quelques instants. Oui. Lors de votre maîtrise en philosophie à l'Université de Nancy, vous avez obtenu votre doctorat en philosophie politique à la Sorbonne, si je me trompe. Oui. Pas. Vous oui. avez travaillé dans le secteur privé sur le thème et sur le thème de la corruption. Entre autres, oui. Entre oui. autres. Et vous avez enseigné euh, la logique et la philosophie de la nature à l'université de Santa Rosa de Caracas au Venezuela. Oui. Puis la philosophie de l'économie à l'université Santo Tomas de Bogota en Colombie. Oui. Donc, vous êtes allé euh, aller loin pour, euh, pour enseigner. Comment ce, ce, cela s'est-il fait Bon, je vais vous répondre. J'essaie de vous répondre rapidement. Oui. Euh, je, je, je passe mon... Mon diplôme de maîtrise avec Ruyère. Et il me dit à la fin de. Après m'avoir dit que j'étais reçu, en, en, j'avais le diplôme, il me pose la question Mais qu'allez-vous faire maintenant Et je lui réponds ben, Maintenant, j'ai envie d'aller dans, dans le monde réel, de connaître un peu mieux le monde, le monde extérieur, les entreprises. Euh, je viens d'une famille où il y avait pratiquement peu d'universitaires. J'ai mes, amis, mes parents avaient des amis universitaires, mais euh, il n'y avait pas de tradition universitaire dans la famille. Euh, donc, euh, une fois les études terminées, euh, on, on rentre un peu dans. On va, il faut gagner sa vie, on rentre dans la vie réelle, disons. L'enseignement ne m'attirait pas beaucoup. D'ailleurs, Ruyère m'a répondu Vous faites bien parce que l'université, c'est fini. On était en 1969, c'est-à-dire qu'il y avait eu le choc de mai, mai 68. Il avait déjà prévu que ce que, que l'université allait donner aujourd'hui, il serait bon. Ses idées seraient confirmées quand il verrait l'état de l'université aujourd'hui. Il dirait bon bah, ben, c'est ce que j'avais pensé. Mais enfin, il, il ne s'attendait certainement pas à ce que ça soit aussi pire que c'est devenu. Alors, euh, donc encouragé un peu par hier, je, je rentre dans le monde réel. J'ai travaillé un temps dans. Alors, je... ce que j'ai fait après le... la maîtrise, je suis allé. Mes parents déménageaient, je suis allé à Paris et euh, je me suis inscrit au, au Celsa. Le Celsa, c'était pour re... recaser les... les littéraires dans le monde de l'entreprise, dans le monde réel. Donc, je suis allé suivre des cours rue de la Sorbonne. Mmh. À l'époque, c'était rue de la Sorbonne. Ils ont déménagé ensuite à Neuilly. Et, euh, mais comme je ne voulais pas laisser le, le contact avec la philosophie, j'ai jamais arrêté de lire et de faire de la philosophie. Je m'étais inscrit en même temps au, au cours de Jules Villemin au Collège de France. Mmh. En, donc j'ai suivi des, les cours de, de, de Villemin sur Rousseau, sur d'autres. Il faisait un cours aussi sur la théologie rationnelle, enfin des, des choses assez pointues. Mais j'ai toujours été passionné et je savais que jamais. Sortant de l'université, l'université m'a nourri, si vous voulez, en, en, en philosophie, et je savais que jamais j'abandonnerais, c'est-à-dire que je me tiendrai toujours informé au courant de ce qui se passe en philosophie. Je suis parti huit ans en Afrique, mm -hmm. où là je me suis occupé de formation professionnelle. Ensuite, quatre euh, ans au Canada, à Montréal, où là je m'occupais de ce qui s'appelle euh, gestion des rémunérations, politique salariale. Donc, j'étais dans les, dans les ressources humaines, mais c'était la, la partie, j'étais travaillé pour un cabinet conseil. Je reviens en France parce que le, le cabinet A m'avait... Je travaillais pour le cabinet A, euh, m'avait demandé si je voulais venir à Paris puisque je du bureau de Montréal. Donc, je suis venu à Paris. Là, ça a été un, un choc culturel assez fort entre la pratique, ce qui se passait dans, dans, chez a, au Canada et aux États-Unis et puis ce qui se passait en France. Euh, en gros, c'était une... C'était une pratique d'ingénieur. Bon. Et euh, en 2005, je suis parti au Venezuela. Mm -hmm. Alors, j'avais d'abord exploré un petit peu le pays, j'étais allé voir pour comment, comment ça se passerait. Et pour tout vous dire, le Venezuela, c'était un, un rêve d'enfant, enfin pas le Venezuela, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, un rêve d'enfant. C'est depuis ma lecture de l'oreille cassée de Tintin, RG, bien sûr. Et donc... Euh, ça m'a donné envie d'aller voir comment c'était. En revanche, je savais dès mes, dès mes années universitaires que jamais je serais anthropologue. Quand, ayant lu Triste tropique » de Claude de je me suis rendu compte, non, ça, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas un métier pour moi. Anthropologue, non. Ethnologue, anthropologue. Mais je suis parti au Venezuela. Et pratiquement à peine démarqué, j'avais pris des contacts avec la Chambre de commerce franco-vénézuélienne. Et je rencontre quelqu'un qui me dit... « Ah, vous devriez aller demander à, à la, la catholique la catholica André Bello, qui était l'université des jésuites à, à Caracas. Euh, il, il, je sais qu'ils sont en train de chercher quelqu'un. » Et quand j'ai vu le directeur du département, il m'a dit, « Non, nous, on ne cherche pas, mais ils cherchent un professeur de logique à la catholica Santa Rosa. » Alors, la différence, c'est que la, la UCAB, la Andrés Bello, c'était les jésuites, et la Santa Rosa, c'était l'université de l'archevêché de Caracas. Donc, je suis allé rencontrer le directeur du département, je lui ai montré un peu mes, mes, mes états de service en matière de logique, en matière de... Et j'ai commencé à faire des cours en espagnol, en, en logique. J'ai beaucoup apprécié le, le manuel de l'introduction à la logique de Irving Copy, qui est un, un pavé, mais je me suis servi de ça pendant toutes les années où j'ai enseigné la logique. Et puis, ils m'ont demandé un cours de... Philosophie de la nature. Donc, c'était bien, c'était aussi euh, dans, le, dans le sens de Ruière. ça, ça prolongeait un peu ce qu'avait fait Ruyère dans la partie qui n'est pas sa critique sociale, mais dans la partie philosophique de Ruyère. Donc, voilà, je me suis retrouvé. <laughs> Vu la situation, je, je suis resté de 2005 au 2010, mm -hmm. quand les pénuries au Venezuela ont commencé à, se, à devenir trop fréquentes. Entre-temps, en 2007, j'avais épousé. Euh, Ma, ma femme, qui était professeur de mathématiques à Caracas et qui, elle, euh, vivait, au en... elle, est née, elle est colombienne, elle est née à Bogota, mais elle vivait depuis très longtemps au Venezuela. Mm -hmm. Et donc, bah, je me suis, je lui ai dit, enfin, quand, quand ça commençait à, partons en Colombie. Ce qu'on a fait en 2010. Réussi, il m'a fallu un an pour la convaincre parce que le soleil, le changement de climat. Bon. Et donc. J'arrive en Colombie et avec cette expérience, pareil, je reprends contact avec la chambre de commerce franco-colombienne, voir s'il y avait des, des possibilités d'action pour les entreprises qui étaient installées à, en Colombie, à Bogota. À l'époque, il y avait encore Carrefour, il y avait, il y avait pas mal de, de. Il y a encore Total, il y avait des grands groupes français qui étaient installés en Colombie. Et pareil, on me dit, je rencontre un professeur de la Santo Thomas qui dit, ah mais tu devrais venir au département d'économie. Mm -hmm. Parce qu'il cherchait quelqu'un. Alors il cherchait pour un poste de... C'était une chaire. Euh, la, la, la Santo Thomas, ce sont, des, sont les dominicains hein, qui dirigent cette université. Et c'était une chaire qui avait été tenue par un dominicain français qui était un peu genre économie sociale. Euh... C'était un peu ce style-là. Il m'avait présenté tous les... Donc, après avoir passé le recrutement, j'ai passé tous les, les tests, tout ce qu'il fallait pour... Et il m'ont appelé pour me dire, bon, ben, vous êtes, vous êtes l'élu, vous venez. Et alors, quand j'ai regardé le, le programme de cette économie sociale, bon, c'était gentil, mais ça survolait un peu les choses, ce n'était pas mmh. assez économique. Et donc, j'ai proposé au directeur du département d'économie un, un cours qui serait plus orienté sur euh, une réflexion philosophique sur l'économie, c'est-à-dire que, quels sont les présupposés de l'économie, quelles sont les méthodes de l'économie, comment essayer de comprendre un peu, démonter un petit peu comment ça fonctionne à travers les textes, euh, les classiques de l'économie, euh, Adam Smith, Ricardo, Marx, enfin tout, en passant tous. Et euh, ils ont accepté ces idées. Ils m'ont même demandé si je voulais faire un professeur venait de partir en un cours de géographie économique, donc j'ai accepté aussi. Et puis voilà, donc j'ai fait mes cours en espagnol à la Santo Thomas. Et ce qui explique que je me suis retrouvé là, un long parcours pour revenir à l'université. Donc vous avez fait tous vos, vos cours, en, vous les avez dispensés en espagnol Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Donc vous avez une très bonne maîtrise, donc, parce que c'est assez pointu à mon avis. pour. Bah, je suppose, oui. <laughs> Oui. Alors, on va parler, donc, je vais remontrer l'ouvrage hein, de, de Raymond Rouillet. Euh, donc, vous avez écrit cet ouvrage. Alors, il faudrait peut-être préciser avant tout, euh, si vous pouvez nous, nous parler de, de Raymond Ruier euh, pourquoi oui. s'être euh, attaché tout particulièrement à lui Donc, euh, quel est son domaine de, de pertinence, si je puis dire Oui, oui. oui. Alors, Raymond Ruier est un, un philosophe euh, lorrain. Mmh. Il est né dans les Vosges. À Plainfin, petit village des Vosges, sur les, les collines, des, enfin, sur les pentes des Vosges, la pente vosgienne par la pente alsacienne. Et il est mort à Nancy en 1987. Euh, donc il est 80, à 85 ans. Il euh, il étudie et donc à l'école primaire de plein Il est repéré par son instituteur, qui décide, qui convainc ses parents, en disant cet enfant a des, des possibilités. C'est l'époque où, vous voyez, l'éducation nationale remplissait bien son rôle oui. de détecter les, les, les compétences, les valeurs, les talents. Et euh, il lui il dit aux parents faut l'envoyer au lycée d'Épinal. Donc, il va suivre tout le secondaire à Épinal. Où il sera pensionnaire jusqu'au bac. Et au bac, il va préparer les concours. Et il est reçu premier à Normale Normal Sup, à l'école Normale Supérieure. Et en Philosophie, parce que c'est ce qui, ce qui l'intéressait, mais il faut savoir, il faut se rappeler qu'à cette époque, euh, la formation philosophique incluait beaucoup de connaissances en mathématiques, en physique, enfin, pas, il n'y avait pas une distinction aussi nette entre les humanités et les sciences dans les années 1920, enfin, déjà, il est à Normal il arrive à Normal dessus, en 1920-28. Et donc, euh, il, euh, il étudie la, la philosophie. À Normal Sup, j'en parlerai un petit peu plus tard. Il découvre un philosophe français, Cournot, tout seul, d'ailleurs, il dit tout seul, il a découvert. Et euh, on reparlera de Cournot. Mm -hmm. il, passe, euh, il est agrégé de philosophie. Il passe son doctorat en 1930. Il est nommé euh, un temps, je crois, c'est au lycée de Saint-Brieuc. Ensuite, il est nommé à Nancy, au lycée. À Nancy. Et avant la guerre, pratiquement dans les années 30, il est déjà assistant à la faculté des lettres de Nancy en philosophie. Voilà donc en gros le parcours. En 40, il est fait prisonnier. Il est, euh, il est mobilisé comme officier. Et il se retrouve donc sur le front de l'Est, enfin entre l'Alsace et, et la Moselle, là-haut, tout en nord, face aux Allemands. Ils sont rapidement fait prisonniers. On les, on les envoie dans un camp, le FLAC 17, enfin 67, où ils vont être environ 5 à 6 000 prisonniers français qui seront là, et puis quelques autres aussi. Et euh, il va rester jusqu'en 45. La particularité de cette, euh, ce camp d'officiers, ce camp de prisonniers, c'est qu'il y a beaucoup d'universitaires, beaucoup de... de l'universitaire français, dont Jean Loret, mathématicien, qui était assez célèbre à l'époque, Étienne mm -hmm. euh, Wolf, qui était embryologiste, biologiste, qui allait devenir administrateur du Collège de France, puis il sera élu à l'Académie française plus tard. Et tous ces gens-là, il y avait quelques historiens, des psychologues, des décides, ces gens-là décident, au lieu de perdre son temps entre les, les baraquements d'instaurer, d'installer une, une université de, de prisonniers où chacun viendra donner des cours, chacun donc ce sont pour permettre des échanges. Les Allemands, comme, comme dira Ruyère, étaient assez, euh, ils nous, nous autorisaient, c'est-à-dire on avait une bibliothèque, on pouvait faire venir des ouvrages alors uniquement en allemand. Tout ce qui était anglais, américain, c'était c'était prohibé, ça pouvait pas rentrer dans les, dans les limites du camp, ni même peut-être en Allemagne d'ailleurs. Et donc euh, il développe cette, cette université. En 1945, il est libéré. Le camp est libéré par les Russes. Il revient à Nancy et il commence à publier des choses. Il était déjà un tout petit peu connu avant guerre. Il avait publié un livre qui s'adressait aux étudiants qui s'appelait La conscience et le corps. Un livre qui vient d'être réédité cette année, l année non l'année dernière chez Vrin, c'est un autre éditeur. Et ce livre était destiné aux étudiants, mais je l'ai relu à l'occasion de sa réédition. Et il faut quand même s'accrocher un petit peu. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre que l'on lit euh, si vous prenez le métro ou dans le bus. Euh, il faut quand même se... avoir du temps, être tranquille, pouvoir le lire pour réfléchir à ce qu'il dit. Mais il pose le problème de la conscience et du corps, les relations entre la conscience et le corps, déjà d'une manière, en 1937, d'une manière assez assez étonnante, oui, surprenante oui, oui. par sa, la qualité de l'information qu'il a. <coughs> en 1949, il publie un livre « Élément psychobiologie » où il revient, il remet et revient, en fait, il, il prend l'inverse de sa thèse complémentaire. Il avait passé sa thèse, sa thèse principale, pardon, sa thèse principale s'appelle « Esquisse d'une philosophie de la, de la structure » qui est pratiquement introuvable, dans laquelle il défend un mécanisme strict euh, tout s'explique par des liaisons, par des et donc euh, l'univers est à peu près connaissable. On arrive à tout. En 49, il a, il a mis du temps, mais il a complètement, il change complètement d'orientation. Il réintroduit des choses importantes. En 1952, il publie un livre important aussi, néo-finaliste, qui a été réédité il y a pas longtemps. Et et puis voilà, il, il développe, il écrit un livre sur l'utopie et les utopies, un livre sur, en 1950, un livre sur la cybernétique et l'origine de l'information. C'est mmh. un des premiers philosophes en France à s'intéresser à la cybernétique et à voir les, analyser les conséquences, les, les, quels sont les présupposés de la cybernétique. Il décortique tout cela. Il écrit aussi un, un petit livre qui a eu quand même pas mal un, un certain impact sur l'origine des formes vivantes. Euh, les origines des formes vivantes donc il est, il est connu de quelques spécialistes dans l'université, des gens comme Canguilhem euh, qui travaille beaucoup en histoire des sciences mais qui était Canguilhem avait une double formation médecin et philosophe euh, Merleau-Ponty au Collège de France va faire un cours sur la, la nature qui fait référence à Ruyer très très souvent, quand vous lisez ce, ce texte de Merleau-Ponty qui, qui est le, le résumé de son cours si vous voulez euh, Ruyère est cité de nombreuses fois. Donc on voit que Merleau-Ponty a lu Ruyère Mais en dehors de ces gens-là, oui, il n'est pas connu. Pas... Je, je crois qu'il a eu un plus... succès. Il a eu un succès avec un, un livre, je crois, c'est cela. Et puis après, oui. il a euh, injustement oublié, on va dire. Oui, oui, tout à fait. Alors, le premier, le premier succès, un, peu, un, relat... un petit succès, c'est en, en 1969, après les événements de mai 68, mmh, mmh. il réagit à mai 68, qu'il avait observé de près, puisque lorsque ça a commencé, le doyen de l'université de la faculté de lettres, Jean Schneider, euh, qui était germaniste, euh, a, a demandé à quelques professeurs, dont lui, parce qu'il habitait pratiquement en face de l'université, il traversait le boulevard Albert Ier, il habitait juste là. Donc euh, le doyen a demandé... À quelques professeurs de, de, de veiller, de rester là pour assurer, euh, disons, montrer qu'ils étaient là, une, ne serait-ce qu'une autorité académique, et puis ensuite s'assurer qu'il n'y aurait pas de déprédation, de, 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 de vandalisme dans les locaux de l'université, sur le campus et tout ça. Ce qui d'ailleurs a été le cas. En gros, euh, à Nancy, ça n'a pas été les débordements qu'on a eu à Nanterre ou à la Sorbonne. Nancy, si, ça a été relativement calme. Euh, C'était un gros monome généralisé. On perdait son temps dans des réunions interminables euh, où chacun venait discuter. Les, les groupus, tous les, on a eu la, le défilé de tous les groupuscules, maoïstes, trotskistes, enfin, tous, ils venaient tous hein, prédire euh, la révolution, il faut changer, enfin, ils voulaient changer le monde déjà. Et donc, euh, Ruyère anal, regarde tout cela. Et il écrit en 1969 Éloge de la société de consommation, qui aura un petit succès. Je dis petit. Moi, je, je quitte euh, euh, Nancy et l'université en 1969 pour aller à Paris, donc euh, suivre les cours que je fais. Il, il y a encore un, quelques petits échos du livre de mais c'est très vite retombé. Alors, pourquoi Ce livre était déjà un, assez, au titre un peu provocateur. Éloge de la société de consommation. Ce n'est pas Ruyère qui a trouvé le titre. Il a, ce, le, le livre est publié dans la collection de Raymond Aron, Liberté de l'Esprit, mm -hmm. chez Kalman Lévy. Et le titre est une suggestion de Raymond Aron que Ruyère a acceptée, parce que lui voulait un titre plus neutre, genre euh, économie et société, ou euh, économie et philosophie, quelque chose d'un peu neutre. Et Aron lui a dit non, non, on va faire. Euh, on va taper, on va... Vous savez que Raymond Aron, à chaud, pour les événements de 1968, avait publié La Révolution introuvable, qui était un petit... À la fois, ça tenait du pamphlet et de l'analyse telle que savait faire Raymond Aron, c'est-à-dire une analyse assez assez bien, d'abord documentée, puis assez précise. Et donc, le livre de Ruyère lui a plu, il le publie. Et c'est à partir de ce moment-là que Ruyère... Commence à parler de ses livres de critique sociale qui vont suivre. 69, L'éloge de la société de consommation. 1972, Les nuisances idéologiques. Où là, il aggrave son cas parce qu'il démontre le, les nuisances de l'idéologie, des idéologies. Et puis, il termine un troisième livre qui sera publié dans la même collection euh, Les nourritures psychiques, alors qui qu change totalement. Mais je montre que dans le livre, que les nourritures psychiques font partie de la critique sociale de Ruyer. C'est un des, un, un des éléments de la critique sociale. Ensuite, en 1974, Ruyer publie l'Agnose de Princeton. Alors là, vous voulez vous parler C'est justement, c'est critique sociale après l'Agnose de Princeton, oui. Le livre qui a eu du succès et. Euh, vous, alors, vous pouvez nous situer rapidement la l'Agnose de Princeton. Je ne pense pas que tout le monde. Oui, puisse. Oui, oui, alors bon, le, alors en gros, rapidement. La gnose de Princeton, c'est une, une invention de Ruyère. Il faut savoir que euh, Ruyère était normalien, donc le goût du canular, ne le... <laughs> il, aimait, il aimait assez son côté normalien qu'il était resté de, de l'école. Et donc, il est en 1974, il arrive à, à la fin de sa, sa, sa carrière professionnelle, il a publié un certain beaucoup d'ouvrages comme Rouillard a publié 23 ouvrages, 23, 23 livres de lui sont publiés, et plus de 110 articles dans des revues spécialisées de philosophie, de psychologie. De... Donc, Rouillard a vraiment une œuvre derrière lui. Sauf qu'il ben, n'est toujours pas connu. Euh, durant les années 60, on est en pleine période, en pleine mode structuraliste, et ceux dont on parle, bah vous avez Foucault, vous avez euh, après après 68, ça va être l'arrivée de Deleuze et Guattari, des gens comme ça qui ont euh, Derrida, qui vont prendre euh, les, en sociologie ça va être Bourdieu, qui va apparaître, oui. qui avait déjà publié Les Héritiers, puis la, repro la reproduction, Les Héritiers. Enfin. Donc on est dans ce climat de scientisme philosophique un peu de. Hein, le, en gros le structuralisme c'était de dire bon, ben, les sciences de l'homme ou les sciences sociales doivent se rapprocher des sciences de la nature on doit être, on doit être aussi rigoureux euh, que les sciences euh, les sciences dures il y avait hein, ce qu'on considérait qu'il y avait des sciences molles les sciences de l'homme et les sciences dures donc on est dans ce climat et donc Ruyer est, est passé un peu à côté enfin est passé à côté c'est-à-dire qu'il est, il est ignoré et donc il décide de faire un exposé de ses propres idées en attribuant ces idées à des physiciens, biologistes qui se seraient réunis à, à, à Princeton, qui discutent, qui échangent et d'ailleurs Ruyère, euh, dans le dans en introduction du livre en, en a, oui en introduisant le livre raconte que il a rencontré tous ces gens-là lors d'un banquet Butler à Londres, la société des amis de Butler qui se réunissait tous les ans. Bon, alors Samuel, cette société Butler probablement n'a jamais existé que dans l'esprit de Ruière Et euh, Samuel Butler, c'est un auteur qu'il a découvert à l'école normale, école normale supérieure. Il avait, un, comme il dit, un, un copain de turne, donc il partageait la même chambre et qui avait acheté les livres, les, les traductions des, des textes de Samuel Butler, donc « Ainsi va toute chair euh, » et « Rowan, son, 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 son utopie euh, », et d'autres textes euh, qui, était, qui venaient d'être traduits par Valérie Larbeau. Et donc, euh, Ruyère les a lus, et ces deux personnes, Butler et Cournot, comme je disais au début, vont, vont, vont l'accompagner toute sa vie. C'est-à-dire que c'est des, des auteurs qu'il citera dans ses cours, qu'il nommera. Et donc, la gnose de Princeton, bah, c'est supposé être ça. ça. Donc, c'est ces physiciens, ces biologistes qui montrent les limites du mécanisme. Le matérialisme n'arrive pas à tout expliquer. Il y a une part de mystère. Comment euh, aller dans cette part de mystère Comment comprendre Et comment essayer de. Oui, de, de, de penser euh, ce que l'on ne peut pas comprendre. En gros, c'est ça. Et donc, euh, il, il résume un peu ses idées. Alors, d'où le, le malentendu, le succès. Mais je, je donne donc dans le livre, une, je fais un petit peu la revue de presse, l'écho qu'a obtenu ce livre. Mmh. Il, y a un écho plutôt, il y a eu des gens qui l'ont lu sérieusement, qui, qui en font un écho assez, assez positif, où ils montrent d'ailleurs que Ruyère se présente comme celui qui veut essayer de réunir la science et la philosophie. D'ailleurs, dans ses cours à Nancy, Ruyère nous disait, on ne peut pas faire de philosophie sans connaître les sciences. C'est-à-dire qu'il faut, il faut avoir la base scientifique pour pouvoir philosopher d'une manière un peu sérieuse. Euh, si on philosophe d'une manière littéraire, bon, ça peut être des discours jolis, intéressants, bien écrits, mais ça ne va pas très très loin. Et donc il disait, il faut que le philosophe appuie sa réflexion sur ce qui se passe dans, dans les sciences, alors principalement la cosmologie, la physique, la biologie et la sociologie aussi, quand la sociologie n'est pas idéologique. Quand elle se veut, elle essaye d'être un peu objective, l'étude des sociétés. Donc ce livre a, a, a ce succès. Je signale qu'en 70, quatre ans avant la, la gnose de Princeton, Ruyer publie un petit livre dans une collection de poches qui s'appelle euh, Dieu de la science, Dieu, Dieu des sciences, Dieu de la religion. Dieu, Pardon, l'inverse. Dieu de la science, Dieu des religions. Qui est un livre qui, alors, qui débouche parce que. Sur, sur une sorte de théologie. Et Ruyère avait expliqué en 1963, dans un, un autoportrait, on avait réédité les philosophes français par eux-mêmes. C'est un petit livre qui avait réuni Gérard Deledal et, et Denis Huisman. Ils avaient interrogé, ils avaient demandé à un certain nombre de philosophes dont Ruyère faisait partie, ce qui veut dire qu'il n'était pas totalement inconnu, mais uniquement dans le milieu philosophique. Il leur avait demandé de résumer un petit peu leur parcours. Et Ruillard avait dit que lui s'inscrivait dans une filiation de philosophie et sciences qui remonte à Aristote, qu'on peut considérer comme Aristote. C'était à la fois un, un savant et un philosophe. Euh, on peut étudier, on peut, il y a des gens qui étudient la biologie d'Aristote. Il y a des choses, c'est de l'histoire de la philosophie, mais c'est assez intéressant à voir comment ont évolué les idées d'Aristote en matière de biologie. Ensuite, ben vous avez Descartes. Descartes est mathématicien et philosophe. Leibniz, encore un mathématicien, presque un peu physicien, enfin philosophe. Et donc, regardez-moi, je m'inscris un petit peu dans cette, dans cette continuité, dans cette filiation. Prenons même le cas aux au premières parties du XXe siècle, Bergson. Bergson s'est mis à l'école de la biologie, de la psychologie. Euh, ce sont des, des philosophes. D'ailleurs, Bergson avait lui aussi la double formation. Euh, je crois que quand il était rentré à, à Normal, il, était, il pouvait choisir entre maths et, et philo. Il était bon dans les deux matières. C'était des gens qui étaient assez formés. Euh, il avait enseigné à Charles Péguy, d'ailleurs, notamment, et au frère Tarot. Ah bon Ah oui, 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 oui bien oui. sûr, oui, il a été… Et donc, euh, il s'inscrit dans cette filiation. Sauf que, comme je vous dis, au moment où il écrit gnose il se rend compte que ben, ses livres n'ont pas eu le, le... le succès qu'il a... qu l'escomptait. Qu Et puis l'écho les... euh, des discussions, comme ça se passe. Euh, si les Suisses l'ont lu assez attentivement, mm -hmm. il a été lu dans des revues, enfin il y a des articles sur lui dans... dans la revue suisse de Dialectica, qui était une revue. Euh, dirigé, créé par Ferdinand Goncette, qui était mathématicien, philosophe. Euh, Piaget va, va avoir une petite correspondance, enfin, va échanger avec, euh, avec Ruyère. Donc euh, là, en Suisse, il est à peu près reconnu. Un petit peu en Belgique aussi, mais en France, il euh, faut, faut reconnaître qu'il n'avait pas, pas le, le rang qu'il aurait dû avoir. Donc il publie sa Legion de Princeton. L'intérêt et l'intérêt va retomber très vite. Alors probablement parce que déjà Ruyère est considéré comme un, une personne un peu sulfureuse, un peu infréquentable pour ce qu'il a écrit sur euh, précisément l'aspect de sa critique sociale. Mm -hmm. On se dit ouh là là, mais est-ce qu'il serait pas de droite <laughs> Donc, euh, enfin, on se dit dans les milieux bien pensants qui étaient déjà en action. Donc, ça retombe. Ruyère va aggraver son... Enfin, aggraver, non, mais... Il va publier encore un, un livre qui s'appelle « Les 100 prochains siècles », qui est l'avenir de l'humanité d'après la, la nouvelle gnose, donc la gnose qu'il avait inventée. Et en fait, je dis que ce livre est intéressant, important, même si là aussi, il a été un peu mal lu, un peu... On, on l'a vu de loin, on n'a pas... On ne l'a pas pris très, très au sérieux, euh, même si pour moi, moi, je pense que ce livre, euh, Les 100 Prochains siècles, c'est l'avenir de l'humanité selon Ruyère. Et alors, pourquoi je dis ça C'est parce que, à mon avis, Ruyère boucle la boucle. Sa thèse complémentaire, je vous ai dit que la thèse principale, c'était sur un, un mécanisme, un matérialisme, un mécanisme assez strict. Il, fait une, il passe sa thèse complémentaire, à un petit livre qu'on peut toujours lire avec profit. Qui s'appelle L'humanité de l'avenir selon Cournot. Et donc, il explique les idées de, la, les idées de Cournot concernant l'humanité de l'avenir et comment Cournot voit l'évolution des sociétés. Alors, on fera un petit passage sur Cournot, si vous voulez, quand, oui, oui. quand, je, quand je vais introduire la critique sociale, parce que je pense qu'il boucle avec les 100 prochains siècles il reprend un peu ce qu'avait essayé de faire Cournot. Dans les considérations sur la marche des événements, dans, dans un certain nombre de textes de Cournot, qui sont maintenant euh, réédités, qu peut, qui sont plus facilement accessibles. Et puis il écrit aussi Le sceptique résolu, sous titre important, face au discours intimidant, où là il démonte toutes les, les idéologies progressistes, il montre comment ça fonctionne, comment justement on veut vous intimider alors, il avait déjà parlé dans les nuisances idéologiques de, la, de, de cette idéologie de la culpabilité universelle. Hein. Oui. l'homme blanc qui porte tout sur ses épaules, toute la, tout, tout ce qui va mal dans le monde, c'est nous, c'est nous, nous sommes tous coup, nous sommes coupables, nous sommes coupables de la faim dans le monde, nous sommes coupables de... et donc Ruyère dénonçait déjà cela en 72, mais il revient dessus dans le sceptique résolu qui est un livre si je me souviens bien, c'est 77 ou 78. Je n'ai pas le livre sous les yeux, il faudrait que je le prenne. Euh, le sceptique résolu, qui est un livre assez, assez stimulant à lire et qu'on peut lire encore avec. Il y a beaucoup d'humour. Ruyère avait un humour très euh, fort. Il ne détestait pas la polémique. C'est un style d'expression de sa pensée. Il aimait bien polémiquer un petit peu. Et donc, bon, voilà. voilà le. Alors, ça, c'est la critique sociale. Je dis donc que la critique sociale, ça commence en mai 68, enfin 69, son livre, là où il, a, il assume le mot critique sociale. Donc, il faudrait définir qu'est-ce qu'il entend par critique sociale, en quoi sa, cri sa critique sociale est une critique sociale, et en quoi elle n'est pas la critique des sociologues, parce que derrière, il n'y a aucun militantisme euh, de, de la part de hier. Donc, ça, c'est sa critique sociale. Alors il, tenu était, après... il était assez détaché de ça, de, justement, du militantisme et, euh de certaines oui. positions politiques. Oui, oui, oui. Je, je, je montre que contrairement à Raymond Aron, qui dans les années normales sup, normaliennes, il est très proche du Parti socialiste. Mm -hmm. euh, Claude Lévi-Strauss, lui, oui. il va être membre de la SFI Il a, je, je le raconte dans le livre, oui. il, a, il va avoir un parcours politique. Il va s'en, il va avec avec l'âge et l'expérience, et il va s'en détacher complètement. Lévi-Strauss, d'ailleurs, l'Express le présente dans un entretien comme un anarchiste de droite, enfin, il est… parce il est... Il est... D'ailleurs, Lévi-Strauss a l'honnêteté de reconnaître, il dit « je me suis tellement trompé que sur la politique, je ne peux rien dire, je ne, je ne dirai plus rien, je ne veux plus m'exprimer parce que je me suis trop trompé ». Donc ça, c'est honnête. Sartre qui s'est trompé tout le temps, il n'a jamais reconnu ça. Et donc, euh... <coughs> Ruyère n'a pas eu ce parcours-là, c'est-à-dire qu'il n'a jamais adhéré à un parti… Il a toujours tenu une certaine indépendance, on le dira, euh, indépendance de pensée, il a tenu. Mais il ne s'est jamais affilié à un parti. Sauf qu'il regardait la société. Ruyat n'était pas enfermé dans sa tour d'ivoire, dans son appartement du boulevard Albert Ier, à la faculté. C'était un homme qui, qui s'intéressait à l'évolution des sociétés et qui donc observait l'évolution des sociétés et se, se met à crier danger. Ça à dire ça ne bon, va plus, ça, on ne peut pas accepter. <coughs> Et donc, je me dis, finalement, peut-être que si on avait écouté Ruyère dès les années 60, ou 60, après 68, euh, on n'en serait peut-être pas là dans cette dérive ou dans ces délires euh, auxquels on assiste actuellement. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que Ruyère nous avertit déjà. Il nous dit attention. Et cela, il s'appuie sur le bon sens. Le bon sens est une chose. Euh, bruyère c'est-à-dire le sens des réalités. C'est quelque chose d'important. Il écrit dans les années, à la fin des années 30, un peu avant la guerre, un livre sur le bon sens et philosophie, un article, pardon, bon sens et philosophie, où il veut précisément rétablir le bon sens. Or, le bon sens a été dévalorisé dans la deuxième partie du XXe siècle, à la, à la fois par des des philosophes, euh, des historiens, des sciences. Des... Je pense en particulier à Bachelard qui disait que euh, le raisonnement scientifique ne prolonge pas le bon sens. C'est-à-dire, on a, alors que Bachelard, bon, était un petit peu sub... plus subtil que cela. Mais très vite, on a voulu séparer le savoir scientifique du bon sens en disant, bah, vous voyez, le savoir scientifique va contre, euh, parfois, va contre le bon sens, va contre, et c'est le savoir scientifique qui tient et qui dit la vérité. Ce n'est pas le bon sens. Donc le bon sens, alors que c'était la chose du monde la mieux partagée selon Descartes, était devenu assez dévalorisé, euh, réactionnaire, ringard pour tout dire. Et Ruyère dit non. Le seul exemple ces, derniers, ces dernières années que, que je connais d'une défense du bon sens, ça a été Raymond Boudon, le sociologue, qui lui a, a voulu réhabiliter le bon sens. Lorsque j'ai soutenu ma thèse, puisque ce, ce livre, j'ai voulu l'adapter, en faire quelque chose d'un peu plus grand public, disons. Euh, vulgariser. Pardon. La vulgariser. Oui, oui, j'aime pas trop vulgariser, mais <laughs> essayer de rendre accessible, voilà. Si, oui, rendre accessible la pensée de Ruyère et la rendre sans jargonner. Mais Ruyère ne jargonnait pas. J'ai pas eu beaucoup de mérite là. Euh, Fruillard est un homme quand vous lisez, c'est parfois difficile à lire, comme je disais. Si vous lisez La conscience et le corps, Néo-Finalisme, euh, je vous dis, vous ne pouvez pas lire ça en prenant votre douche, en prenant en votre bain. Quoi. Euh, il, ça demande une certaine attention, mais il ne jargonne pas. Il est toujours très clair, toujours dans cette tradition aussi philosophique française de gens qui s'expriment clairement, qui s'expriment bien. Euh, on peut relire, on peut comprendre. Ça n'a rien à voir avec la philosophie allemande telle qu'on peut lire ça depuis Hegel et, et d'autres. C'est-à-dire qu'on ne, ne se cache pas derrière le, le langage pour exprimer un, un vide de pensée. Euh, Ruyer, c'est d'abord la pensée qu'on essaye d'exprimer. Il s'adresse euh, tout de même à un plus large public, t on ou ça reste quand même élitiste bah, Élitiste, pas plus, mais... Écoute, prenez, prenez un livre que moi j'ai lu, j'étais à l'université, il, il est sorti en 1964, enfin, je venais d'arriver, je, je trouve ça en librairie, je l'achète, et ça. moi ça a, été, ça a été une révélation. Son livre s'appelle L'animal, l'homme, la fonction symbolique. Mm -hmm. Donc il montre ce que, ce que beaucoup reconnaissent, c'est que la, la grande différence entre l'animal et l'homme, c'est que nous avons un langage, et donc d'où le rôle de la fonction symbolique dans ce qui nous différencie. Seulement Ruyère nous disait déjà à l'université mmh. que les animaux ont une conscience. Lui nous disait, tout être vivant a une conscience. On peut imaginer qu'il y, y a de la vie dans une plante, dans un arbre, il y a conscience. Alors ce n'est pas, pas la même conscience que la nôtre. Ce n'est même pas la conscience de l'animal. Euh, l'animal, il n'est pas forcément conscient. Si vous regardez la puissance du tigre, est-ce que le tigre est vraiment conscient de sa puissance Ou l'élégance d'une gazelle Est-ce que la gazelle est... Conscience de son élégance. Non, c'est nous qui <coughs> mettons du sens, de du, du, la signification sur le, le, la nature, sur ce qu'on voit, sur le tigre, sur la gazelle. Mais Un peu dans le thomisme euh, à la Saint Thomas d'Aquin, il, il y a un petit peu de traces de cela. Ah oui, ben bien sûr. Oui. Mm -hmm. D'ailleurs, quel, quel est son positionnement vis-à-vis -vis de la religion en tant que philosophe Alors, Ruyère n'était pas. Bon, j'ai assez peu discuté avec lui sur, ses, sur les thèmes de, de la religion. Il regardait ça d'un œil plutôt, j'allais dire, sympathique. Mm -hmm. et il montre que la religion est nécessaire, c'est-à-dire que ça apporte… Et, et il avait une, une formule en disant que si, si ce sont des. que je, André Conrad cite dans la préface du livre, euh, les. Si ce sont des fictions bien, bien organisées, si c'est, si c'est, bien fait, c'est bon, c'est de la nourriture psychique, ça, ça nourrit l'esprit humain, c'est bien, c'est bon. Après, je crois qu'il était d'un, une sorte de scepticisme. Oui, il voit ça comme un rôle social, peut-être. Bon, bon. Euh, plus que. Oui, 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 parce que c'est plus que social. C'est personnel, ça peut être quelque chose, de... ça peut aider le développement personnel. La religion était... Je me souviens d'un cours, je vous... ça c'est une anecdote, mais c'est un souvenir très précis. Il nous faisait le matin, le mercredi matin, il nous faisait un cours sur... Et ça s'appelait Exercice de dissertation. Euh, ce cours était supposé nous préparer à la dissertation de l'agrégation de philosophie. Et donc, il, il, il y avait un... Un étudiant venait plancher sur le thème qui était proposé. Donc, des thèmes, par exemple, la mémoire, l'espace, l'espace et le temps. Et puis, l'étudiant avait une demi-heure pour exposer ses idées. Et puis, Ruyère, la demi-heure suivante, intervenait et, et, en fait, il présentait la philosophie de Ruyère. C'est-à-dire, sur les, sur les sujets qu'il avait choisis, <laughs> qu'il avait donnés aux étudiants, et il nous faisait un cours de Ruyère sur Ruyère. Ce qui, était, ce qui était passionnant. Et alors un jour, il commence à expliquer que la religion catholique, qui a duré quand même pas loin de 2000 ans, enfin, c prenez, prenez cet exemple-là, mérite le respect. Parce qu'une institution humaine qui dure aussi longtemps, il nous dit sortez moi, quelle est l'institution qui a duré aussi longtemps dans l'histoire de l'humanité une institution qui peut durer comme ça. Et surtout, dit-il, avec une organisation aussi réduite, quels sont les niveaux d'hierarchie Donc, il faisait une comparaison entre cette institution et l'organigramme, si vous voulez, d'une entreprise ou d'une institution d'État, enfin, d'un organisme d'État. Les... Alors, il disait, il y, a, il y a trois niveaux. Vous avez le pape, les évêques et le curé. Donc voilà, avec, avec un, un organigramme aussi plat, parce que vous savez que dans, certaines, dans les années, ça viendra après, dans les années 90, on avait vanté les organigrammes plats dans les entreprises. Il fallait aplatir l'organigramme, il fallait réduire le niveau de, de hiérarchie. Donc, il fallait passer de 7 à 5, à 4, bon, dans l'entreprise, ce qui n'était pas toujours facile, mais enfin, on, est, on peut y arriver. Et donc, regardez cela. Et un étudiant que je qualifierais de cateau de gauche, il y en avait déjà à l'époque, qui, 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 qui lève le, le doigt et puis qui dit « Monsieur, vous ne pouvez, pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas résumer la religion catholique à, à une organisation, à faire ça comme ça. » Et alors Ruyer commence à dire « Excusez-moi de vous avoir choqué. » Il part d'un éclat, éclat de rire, enfin il commence à rire, et, il dit, bon, excusez-moi si, si je vous ai choqué, mais je ne veux pas dire de mal dans la religion catholique. Enfin, donc voilà un peu l'attitude la, qu'il avait. C'était une attitude plutôt bienveillante vis-à-vis -vis des religions. Alors peut-être pas toutes, parce qu'à l'époque, dans les années 60, imaginez, on ne parlait pas beaucoup de, de l'islam. Sauf qu'il y avait un autre professeur qui était collègue de Ruyère, qui lui nous, nous a beaucoup travaillé sur les, les mystiques, donc mystiques chrétiennes mystiques musulmanes, les soufis en particulier, et puis euh, à l'âge, il y a une tradition un peu mystique non, qui est bien perdue dans, dans l'islam. Dans euh, et puis surtout les mystiques de l'Inde, euh, Shankara, donc euh, tout ce qui était le, le Vedanta, tout ce qui était lié à ces traditions-là. Et, et ruyère voyait ça avec, euh, avec beaucoup d'intérêt, en fait, il disait que c'était intéressant. Mais quand il, parle, quand il va parler, par exemple, dans les nourritures psychiques, quand il va parler de la, la religion, il, dé, il définit la religion comme nourriture psychique, c'est-à-dire la religion alimente l'esprit, c'est quelque chose de nécessaire pour l'esprit, et il peut y avoir des intoxications psychiques, d'ailleurs, dit-il, mais il dit, une religion qui ne serait que, que spirituelle ne serait pas attirante. Il faut, il faut là, dans, dans, pour que la religion puisse attirer... Euh, du monde, enfin, des, des, pour que les gens se sentent attirés et aient envie d'aller un petit peu plus loin, il faut commencer par les décors. Ce qu'avaient compris euh, beaucoup de gens dans l'Église, c'est-à-dire la décoration, les statues, les, les chants, euh, un, toute une mise en scène qui était nécessaire pour faire passer le message. Et, et ça a réussi à passer pendant, pendant assez longtemps. Euh, et donc. Euh, Rien, c'est ça, plutôt d'un bon oeil, il disait, mais c'est nécessaire. Alors, il aurait pu reprendre la, la phrase de Suran, je ne sais pas si vous savez, « S'il y a une personne à qui Dieu doit beaucoup, c'est Bach. » Parce que la musique de Bach, vous écoutez ça, ça vous transporte. Ça, ça vous, Aria vous de Bach, quand jouais, Aria de Bach, R, si on peut dire, Aria, oui, quand oui, oui, l'orgue, c'est magnifique. Bah oui, bien sûr. Donc, oui, enfin, effectivement. Mais les messes, enfin, tout, les, les, les messes de, de Beethoven, de Schubert, c est, c est... eh bien, ça vous transporte, c'est quelque chose. Et donc, la religion se nourrit, enfin, pas la religion, les, les, les hommes se nourrissent de cela, et ça peut leur permettre d'aller sur, de faire un, un chemin en, vers la foi, vers euh, c'est une ouverture possible. Mais Ruyère prend la religion à ce moment-là comme base de nourriture psychique. c'est quelque chose qui alimente l'esprit, mais qui l'alimente positivement. c'est pas de l'intoxication. alors, il peut y avoir des intoxications aussi, mais en général, dans le cas de la religion, il n'y en a pas. Si, si, si la religion est bien comprise, bien enseignée, bien, euh, on, est, on peut très vite éviter ce genre d'intoxication de ce côté-là. et donc, euh, voilà l'attitude qu'il avait vis-à-vis d'une religion, une attitude plutôt bienveillante. Euh, je pense, j'en avais discuté avec un autre professeur. Je lui ai dit, je n'ai jamais abordé ce, ce thème avec Ruyère. D'abord, on n'osait pas trop. C'était des choses qui, qui, qui étaient, à l'époque, c'était plutôt de l'ordre de, de, de l'intimité. C'était personnel. On n'abordait pas trop cela. Ou alors, il faudrait l'aborder d'un point de vue philosophique. Mais euh, un, un de ses assistants, ses, ses collègues à, à la faculté de l'Aide, m'avait dit que Ruyère était, venait d'une famille catholique. Ils étaient alors que je pensais que venant d'Alsace, ils auraient peut-être été protestants. Elle m'a dit, non, non, ils, ils étaient catholiques. Alors, je me trompe peut-être, hein, je n'ai pas, pas, pas de vérification. Je, je, ça, ce sont mes souvenirs qui peuvent me trahir. Mais en gros, c'était ça. Il, était dans, il avait été élevé dans cette euh, tradition. Et euh, Baruyère, dans, dans tout son travail philosophique, va revenir à Dieu. C'est-à-dire qui, je, je vous ai cité ce livre. Dieu des religi de de, de religions, de, dieu de la science, de des religions, euh, on vient dire, bon, on ne peut pas expliquer tout ça, l'univers, hein, sans faire l'hypothèse de Dieu. C'est pas possible. Bon, Donc il est ni non, dans la certitude d'un côté, ni dans la certitude de l'autre. <laughs> ah oui. Il n'est pas, ben, il est, dans, il il est dans, matérialiste d'après dans... vous quand même. Il reste matérialiste. Non, non, pas, du tout. non pas du tout. Non Non Il est il est dans la certitude du divin. Ah, de qui nous dépasse. Du transcendant. Il voit comme ça, quoi, l'automouvement du monde ou c'est. Euh, euh, il le voit comme automouvement du monde ou, ou où il y a un être supérieur Ah, bah lui, il voit un être supérieur, mais nous participons à cet être. Nous sommes en tant que euh, vivants, euh, nous sommes à la fois création et. Enfin, créature, mais on, est, on, est, on, est, on, on en fait partie. Nous sommes dans le. Nous faisons partie du spectacle que nous pouvons regarder, mais nous en sommes partie prenante. Donc, euh, alors là, il faut, ce sont des thèmes qui ne sont pas de la critique sociale. Hein, vous voyez bien, oui, bien on est dans la métaphysique là, Mais euh, euh, Ruyer pense qu'il euh, est difficile d'être les Pour lui, c'est une, un peu une posture. D'ailleurs, bon, j'ai fait quelques allusions dans le livre quand il parle de, de à propos de Sartre, par exemple. Oui. Euh, en particulier la, la liberté après. il voit très vite les limites de Sartre il dit non Sartre euh, la, la philosophie de Sartre elle est, elle est très limitée euh, alors il y, a, il, dit, il y a des choses intéressantes chez, chez Sartre, ça, même sa théorie de la perception ça va pas très très loin euh, si dit des choses intéressantes sur l'imaginaire sur mais la posture athée de, de Sartre ne tient pas sans parler de ses idées politiques et donc euh, non non Ruyer affirme de ce côté-là, j'allais dire la prééminence du divin. Mm -hmm. un, de ces, un, un livre qui est sorti il y a déjà quelques années, le premier livre, la première biographie de Ruyère, la première présentation de la philosophie de Ruyère, dit précisément que Ruyère, en plein XXe siècle, disons même deuxième moitié du XXe siècle, est un des rares philosophes à poser en France. Euh, L'existence de Dieu, enfin de, de, de présenter cela et de dire on peut, on peut réfléchir philosophiquement à cet aspect-là. Euh, donc il, de ce côté-là, il n'est pas du tout euh, euh, sceptique. Hein, il est... Mais les religions, bon, oui, bon, mais il y a une partie création humaine dans la religion et elles sont comme euh, nos créations, euh, faillibles, euh, elles ne sont pas parfaites. D'où l'aspect. Mais il y a une ouverture. Là. Ruyère était très ouvert à, aux religions, dans la mesure où la religion va nous permettre de, ben de j'allais dire, nous rattacher à nos, nos racines, mais surtout non seulement de nous enraciner, mais en même temps de nous, de nous porter vers, vers autre chose. Par exemple, dans le chapitre que, sur les valeurs, Ruyère dit que les valeurs existent, mais sont en dehors de l'espace et du temps. Et il est évident que Dieu, alors il met les valeurs, des thèmes, des significations. Pour lui, c'est un petit peu. C'est en dehors de l'espace et du temps, donc ce n'est pas quelque chose d'observable. Euh, Puisque l'espace et, et le temps sont la création de Dieu, en vérité. Ils sont créatures. Oui. Bah ça, c'était depuis Newton. Hein, il avait déjà. L'espace et le temps, c'était les sensorium dei, enfin, sensorium, dei, le, le, les sens de Dieu. Et donc, les, les, les valeurs font partie de cette partie de l'espace et du le temps. Alors, est-ce que les valeurs, les valeurs sont divines Bon, c'est peut-être difficile à dire. Euh, on n'est pas à la place de Dieu pour savoir, mais euh, elles, elles existent, elles nous attirent, euh, elles existent en dehors de nous, hors de l'espace et du temps. Donc voilà, en gros, est-ce que, est que j'ai à peu près oui, oui, oui. fait le, le parcours, un résumé de... Oui, j'ai une petite question, c'était notamment bon, sur, sur sa critique sociale, il a mis le doigt oui. sur certaines choses, donc il a pu oui. anticiper, on va dire. Est-ce que lui, il était à même d'apporter quelques solutions, on va dire, à, ce, à ces mises en garde. Alors euh, oui, alors ben, des solutions. Au départ, ce sont des solutions qui semblent de bon sens. D'ailleurs, pour lui, le bon sens, c'était une des solutions. Quand on perd le bon sens, vous, vous avez remarqué la, la petite polémique, le petit débat qui vient de s'engager depuis quelques jours sur le, le Robert qui avalise... Il qui, le, le, Oui, l'anagramme de Il et de L. L'écriture inclusive. Bon, voilà... Ben à, à cela. Là, face à ça, il faut une, une bonne dose de de scepticisme, enfin non seulement de scepticisme, de bon sens, et de dire on arrête le délire, c'est fini, on ne demande pas au Robert de nous, de nous faire un manuel d'écriture inclusive, euh, avec tout ce que ça suppose comme idéologie derrière. Mathieu Boccotté a bien analysé, décortiqué tout cela, et euh, il ne faut pas tomber là-dedans. Alors que les gens du Robert, les responsables de ce dictionnaire soient tombés là-dedans, tant pis pour eux. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire bah, Moi, il y a une chose très simple, on boycotte le Robert. Il ne faut pas acheter Exactement. le Robert. Boycotté le Robert. bah oui. Tout bonnement. Boycotté. Et là, ils seront peut-être obligés de changer. S'ils si s'aperçoivent que les ventes chutent brutalement, ils vont peut peut-être se dire Ah, on n'était peut-être pas dans la bonne direction. Parce que c'est parce que se ce foutre du monde. Enfin, en gros, <laughs> un point de vue un peu sommaire. mais <laughs> Bonjour, mais c'est devenu tellement euh, absurde. Vous savez, on est dans et, une espèce d'absurdité que, ah oui, que tout le monde adopte. C'est normal, ça vous paraît tout à fait normal. Il y a une contamination, d'ailleurs c'est ce que euh, Ruyer dit dans, dans son livre sur euh, les nourritures psychiques. Il dit attention, il y a, il y a de la bonne nourriture, euh, tout comme les, les nourritures alimentaires. Vous avez des bonnes nourritures qui nourrissent le corps, l'estomac, et puis vous avez des... Vous pouvez vous intoxiquer, ça. vous avez de la mauvaise nourriture. Mais il dit les nourritures psychiques, c'est encore plus grave. Parce qu'une mauvaise nourriture psychique, ça peut vous détruire euh, l'architecture euh, mentale, l'architecture psychique, justement, d'un homme. Il dit, un enfant qui est victime ou qui assiste à un viol quand il a 6-7 ans, ça peut le marquer toute sa vie. Et donc, dit-il, il euh, faut faire très attention avec les, les intoxications psychiques, qui sont plus graves, dit-il, que le, des intoxications alimentaires. Parce qu'une intoxication psychique, ça peut vous, vous détruire complètement, ça détruit votre, votre architecture, la manière dont vous êtes composé. Ben, on le voit bien, prenons l'exemple de la théorie du genre. Ça, il y a des, ce sont des architectures psychiques d'enfants de, qui sont en cours d'élaboration, en cours de construction, qui sont complètement détruites dans ce cas-là. Eh bien, euh, c'est plus grave. L'organisme, or, la physiologie de l'organisme réussit toujours à... À reprendre le dessus on arrive à, à moins des cas pathologiques mais en gros en général une intoxication alimentaire bon vous mettez au régime quelques jours et puis ça passe hein. un thé des, des tisanes et puis ça passe une un suppo et au lit pardon un suppôt et au lit et au lit exactement euh, avec une, 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 une intoxication psychique c'est pas aussi simple donc effectivement il faut euh, apprendre à se prémunir de cela et alors une bonne dose de scepticisme, de bon sens, et puis surtout refuser, dire non, j'accepte pas euh, ce que vous essayez de m'imposer. J'accepte pas la culpabilité universelle que vous voulez nous, nous, nous mettre sur les épaules. Euh, je ne suis pas coupable de la fin dans le monde, excusez-moi. Euh, je suis, je suis on est tous coupables, mais tous coupables, c'est aussi une, une manière de fuir le, le vrai problème. Enfin Comme ça, tous coupables, personne n'est coupable. Oui, D'ailleurs, c'est souvent un, un des. Quand on analyse les discours de certains progressistes, entre guillemets, c'est bien ça qui est derrière. Comme nous sommes tous coupables, mais que moi je me rends compte de la culpabilité, je suis un type bien, moi. Les oui, autres ne sont pas bien. Donc, ça, ça c'est déjà dans hier, En 1972, en 1975, il a déjà décortiqué tout cela avant, avant beaucoup de gens. Enfin, beaucoup, non. Euh, dans le cas de la culpabilité, Jacques Ellul avait dit ça. Dans, un livre que je cite dans, la, dans le livre euh, dans l'illusion politique Jacques Ellul a fait, fait une analyse Jacques Ellul qui était professeur d'histoire d'histoire euh, du droit des institutions juridiques à Bordeaux, euh, il avait écrit des livres un peu assez stimulants lui aussi qui est, et l'illusion politique dans ce livre il dénonce euh, cette, cette attitude de la culpabilité universelle et puis d'autres, enfin pour nous nous rendre coupables de ce que l'on est de ce qu'on veut. Véritablement, nous ne sommes pas coupables de, de, de la fin dans le monde. Euh, et puis là, maintenant, ce n'est pas uniquement la fin dans le monde. Est, on est coupable de la pollution de, de l'environnement, de la couche d'ozone, de, euh, de l'augmentation du CO2 dans, dans l'atmosphère. C'est nous qui sommes on est coupables. Bon, d'accord. On arrête un petit peu, puis on réfléchit. On a Ça fait vie, partie du projet. Peu. Oui, oui, exactement. Ah oui. Oui, parce que derrière le projet, il y a l'idée de on va vous on va commander, on va vous donner des ordres, on va vous dire comment il faut vous conduire. Euh, vous ne devez plus avoir de voiture à essence, mais une voiture électrique. Et puis après, euh, l'électricité, ça pollue, vous vous éclairez à la lanterne, enfin, la bougie. Enfin, Et il y a toujours des gens qui, qui imposent. Il y a une certaine oligarchie qui, eux, peuvent se permettre. Je parlais de ça la semaine dernière à Paris avec quelqu'un, nous prenions le bus. Et en plus, c'était un dimanche. Donc, le dimanche, il n'y a pas de circulation à Paris. Je me suis dit, on va arriver à la gare, gare de l'Est pour entrer à si Nancy facilement. Eh bien, non, parce que sur toute l'avenue de Strasbourg, il y a les vélos. Et alors, les vélos sont devenus le, le, le mode de transport supposément préféré des Parisiens. Et la personne qui était à côté de moi me dit, bon, moi, moi, à mon âge, je fais pas de vélo. Je ne peux pas. Comment je fais pour me déplacer Alors, j'ai le bus, mais le bus est bloqué par les, les vélos. Et il dit, vous croyez que... La maire de Paris se déplace en vélo, elle. Et tous les gens qui, qui sont au conseil municipal, ils viennent en auto, chauffeurs, mais ils nous, ils nous imposent le vélo. Ils nous disent, le vélo, c'est bien. Faites du vélo. C'est bien pour la santé. C'est bien pour... Puis en, quand il fait moins 5, c'est bien aussi. <laughs> bon, ils se foutent de nous. Ça, la trottinette... La, la trottinette aussi. oui. Alors là, avec l'aspect régressif de la trottinette aussi. Hein. Moi, j'ai fait de la trottinette à Paris quand j'avais 7 ans, 8 ans. Bon, mais maintenant… Il bah, y a toute cette infantilisation à tout y niveau. Y de un toute Infantilisation, totale, totalement. Absolue, absolument. On a des gens qui sont irresponsables, on, on déresponsabilise beaucoup de chaque chose. Mmh. Et oui. puis, euh, surtout, on, on essaye de sous-traiter euh, tout ce que… Bah, en vérité, l'homme aujourd'hui ne sait pas faire grand-chose. Le système s'effondre aujourd'hui. Euh, il ne sait pas planter un chou. Enfin, il ne sait pas semer, il ne ah sait bah, rien sait faire. Plus. C'est fini, ça tient à rien, à rien, à rien. C'est ce, ce que disait Ruyère. Il, a, il, il nous le disait dans ses cours, il l'a écrit dans ses livres. Il disait que c'est le paradoxe des civilisations techniques. Nous vivons entourés de techniques, mm -hmm. mais nous ne savons rien de la technique. Est-ce que nous savons comment marche le réfrigérateur Mais non. Est-ce que nous savons comment marche le, le moteur de l'automobile que nous avons alors, il y en a certains qui, oui, mais la majorité, Roger eh, eh, disait, mais il faudrait peut-être apprendre un petit peu, puisqu'on est dans un, un univers, enfin une civilisation technique, essayons de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Ça serait le, le BABA, un petit peu. De, mais non, on préfère jouer sur l'infantilisation. Ce qu'on voit, qu voit depuis, avec cette fameuse pandémie, le pas sanitaire, c'est un, une infantilisation le masque, le pas sanitaire. Vous ne pouvez, pouvez pas rentrer au restaurant, aller au cinéma sans montrer <coughs> que vous êtes bien. Et en plus, avec tout ce qu'on sait derrière, ce qu'on apprend que l'innocuité du, du vaccin, ça ne dure que six mois, paraît-il. On sait, les uns qui disent, le, qui disent oui, d'autres qui disent non, enfin, ça se contredit tout le temps. Franchement, qui, qui prendre au sérieux dans ces cas-là D'où le scepticisme. <laughs> Avoir une bonne dose de scepticisme, c'est ce qui va nous permettre de, de nous sauver, nous pas, de ne pas être les moutons de ne pas suivre bêtement le troupeau. Alors, il euh, y a ça dans Rivière. Oui. Très bien. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose bah, Écoutez, On a fait non, le tour. ça me paraît. Il faut... Euh, oui, il faut... Bah, simplement, si, une, une petite mm -hmm. chose, c'est pourquoi j'ai traité de ce livre, La critique sociale de Ruyère, parce que ça n'a jamais été auparavant. C'est-à-dire que mon livre est le premier qui met en avant cette cette partie de l'œuvre de rivière, et je montre, j'espère que vous l'avez pu saisir, vous l'avez vu, que c'est la critique sociale de rivière est, est bien articulée avec sa philosophie, et justement, l'articulation se fait par la théorie des valeurs. mais ce que je veux dire, c'est que la, la critique sociale, c'est une partie de l'œuvre de rivière. elle n'est pas séparée. c'est pas quelque chose qu'il aurait fait en dehors de sa philosophie. ça fait partie de sa réflexion philosophique. et bah, c'est pareil, ça n'a pas été lu, je pense, parce que Ruyère a été tout de suite classé comme à droite, voire extrême droite, réactionnaire, conservateur. Ça, conservateur, il, il revendiquait, parce qu'il dit, vous l'avez vu dans le, dans le livre, il dit qu'une chose de bon sens, là aussi, euh, conserver l'existence est plus difficile que de détruire. Détruire, mmh. c'est facile, mais reconstruire, alors que conserver, si on veut conserver le, les choses positives, les bonnes choses de... De, de notre existence, des sociétés, c'est beaucoup plus difficile. Alors, c'est pour ça que la critique sociale n'a pas été non plus appréciée à sa juste valeur, je pense, et je me suis permis d'écrire ce livre pour essayer de, de rectifier, de dire. Une bah, réhabilitation, bah, si on peut dire. Oui, 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 enfin, il a pas, Ruyard n'a pas besoin de moi pour le réhabiliter, mais montrer que sa critique sociale tient la route, qu'elle qu est fondée et qu'elle peut nous aider à vivre dans ce monde de délire actuellement, et à nous sortir de toutes les injonctions des progressistes. Des, euh, vous avez vu, y a un, je, je commente à propos de, de Cournot, un article de Rullière qui est écrit en 1958, mm -hmm. sur les limites du progrès humain. Donc, c'est il il, une, une pensée roborative, stimulante, ça nous oui. permet de tenir face à la connerie de, qui nous entoure. Donc voilà, c'est la, la seule excuse que j'ai avoir pour avoir écrit ce livre. C'est votre premier ouvrage ou vous aviez écrit d'autres ouvrages C'est mon premier, mais les, mon éditeur me pousse pour que j'en produise d'autres. Bon, donc j'ai quelques projets qui vont venir chez cet éditeur. Très bien, qui est Le Verbe Haut, sur les éditions de, de Sylvain Durin. Vous pouvez retrouver. Oui sur leur site, que je vais mettre euh, en lien dans la description, et qui est distribué maintenant dans toute, euh, dans toute librairie. Et pour euh, nos amis belges et luxembourgeois, vous pouvez aussi les trouver euh, chez vous, euh, car le verbe « eau » est distribué dans vos pays respectifs. Donc, euh, merci à vous, Jacques Carbeau, avec euh, la critique sociale de Raymond Ruyer, euh, que je conseille à tous nos éditeurs. Nous avons juste survolé, je le rappelle, nous avons survolé, nous ne sommes pas rentrés oui. dans le... Le, 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 dans la chair, et non, et non, c'est important parce que les gens regardent les vidéos mais ne, ne vont pas se procurer les, les ouvrages, et je trouve c'est un, un grand manquement à, à notre éveil. Donc, euh, procurez-vous le, tout est dans, le, dans le, la description juste en dessous de la vidéo. Jacques, je vous remercie infiniment de, de votre venue, ce ouais, fut je un entretien très enrichissant. Et puis, à une, certainement, une prochaine fois pour euh, vos, vos, prochains, vos prochains ouvrages. Eh bien, à votre disposition. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.